He is back in a new adventure to catch, to fight, and to die. Mais wesh! Mais putain! Mais vas-y! Mais vas-tu enculer, putain! Muteki! Muteki! Je voulais prendre Goku depuis le début. Voilà, ça y est. Allez, salut! C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'un Pokémon décède au combat, on est obligé de le relâcher. Et donc, il meurt définitivement. Ah, oh, vous me cassez les couilles. Vous m'avez cassé les couilles tout le long. À chaque fois, à critiquer le moindre truc que je fais. Oh, putain. De toute façon, vous êtes jamais content. Quoi que je fasse, vous êtes jamais content. Poké Decap, Season 3. Oui, je le kiffe, mon générique, et alors? Je le kiffe, mon générique, oui. Non, mais c'est pour éviter avoir à faire du montage quand je fais les VOD. Comme ça, je balance direct les VOD tels quels. Il y a déjà le générique et tout. C'est pour les gens qui regardent sur YouTube. Dites bonjour à YouTube, putain. Dites bonjour YouTube. Voilà, pensez... Previously on MC's Poké Decap. Pensez aux gens qui regardent sur YouTube, pensez aux gens qui ne sont pas là. Non mais, alors... Écoute Zephyr, tu vas pas commencer à me casser les couilles, ok? Alors, le truc que je vous explique, c'est que le montage... de rajouter le générique d'abord, c'est que faut que je refasse un export, et après le fichier est encore plus lourd, pour après l'envoyer sur YouTube, ça prend 3 plombes, voilà, alors que là je peux le faire direct après le live, paf, je l'envoie sur YouTube, ça met la soirée, et puis c'est bon, c'est fini, demain matin c'est fini. Quand j'aurai la fibre, je pourrais me permettre des petites facéties, mais pour l'instant, avec ma connexion de merde, je peux rien faire. Voilà. Et je vous baisse. Ceci étant dit... Et oui, j'ai gardé tout ça sur YouTube, évidemment. Le mieux, c'est le best-of. Maxi best-of. Nidoran, assis! Nidoli! Votre Pokémon est en échangé, il est difficile à maîtriser. Un échangé est un Pokémon échangé avec un autre joueur. Il grandit vite, mais il n'en fait qu'à sa tête pendant les combats. Si seulement nous avions des badges. Non mais la fibre, je vais l'avoir le 15 mai! Foutez-moi la paix! La route 3, on n'y est pas encore allé, elle est juste là. Mais je crois qu'on peut pas y aller encore. Parce que là, je vais essayer d'y aller. T'es dresseur ? Pierre, cherche un adversaire, suis-moi ! Voilà. Mais non, mais la fille sera ici pour HGBA. Merci, Zef. Merci, mais je compte jouer à d'autres choses. Non mais la fibre, en fait, Shiro, je vais déménager le 15 mai. Et je vais dans un endroit où il y a déjà la fibre, en fait. Viens me t'enculer, suis-moi! Allez! Donc, du coup, tu peux pas sortir. Ça a apparu après la chute de la pierre lune sur le mont Sélénite. En vrai, si j'y vais maintenant, je me fais tellement sodomiser. Vote Elix. Ouais, il va y avoir le vote du fossile aussi. Hein. Les Pokémon sont faciles à capturer s'ils ont un problème de statut.
Oh putain, mais... Zef, non! Putain, mais achevez-le, achevez-le! J'ai un caillou dans ma botte! Bon... Et vous savez quoi? Ah ouais, non, non, ça va me niquer la... Ça risque de me niquer la VOD, donc on va pas faire ça. Ça se trouve, je suis en train de dire ça, mais les musiques que je mettais pendant les pauses... Ah mais non, mais c'est que pendant les pauses, donc on les entend pas pendant le marathon. Enfin, pendant le marathon. Putain, trop d'habitude, là. Vas-y, grippin! T'es le plus fort, t'es le plus beau! Putain, il veut pas, évoluer là, D'Artagnan! Un Gravalonge, oh là là là! Elle est parfaite! C'est une terrible sécrétion d'insectes! Ah, voilà un coup vicieux! Merci pour le sub, Zephyr! Oh, la synchro est parfaite! Votre D'Artagnan évolue au cocon fort! Trop bien! Il apprend armure! Oui, il va falloir changer la musique de sub, en effet. Enfin, je refasse les subs de toute façon. Parce que là, c'est plus le marathon et tout. Il faudrait que je trouve un truc à faire. Un truc sympa et tout. Oh là là, oh, je viens de voir. Oh mon dieu. Oh Twinkle. Je vais essayer de choper les SFX de Pokémon et j'essaierai de faire des petits trucs sympas pour les... Pour les subs. Enfin pour les... Pour tous les trucs. Je sais pas trop où je vais là, en vrai je pense qu'il faudrait que je... Ouais, power level de Salamèche, enfin de Grippin. Merci Shiro pour le sub. Le pire c'est que oui, elle est plutôt drôle en fait, mais... Mais bon, faut pas engrainer les gens, c'est pas bien. Ah bah bravo. Tiens, la mèche, c'est la sub hype. Allez-y, subez tous. C'est le moment.
D'ailleurs, ceux qui n'ont pas le mois Twitch Prime, qui n'ont pas pris encore le mois Twitch Prime, hein, n'hésitez pas à le prendre pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça va être long. Oh, ça va être long. Ouais, parce qu'il faut quand même rentrer une carte bleue ou un PayPal. Les restrictions géographiques pour les bits. Sérieux ? Ça faisait pas ça la dernière fois ? Pierre, Pifeuille, Cisaiox. Putain. Un sécateur aussi, ça marche. Hein. Mais c'est vrai que Cisaiox, il y a ciseaux dans le nom, donc ça marche mieux. Non. Très bien, Twitch. Ah, en vrai, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que y a aucun moyen de pexer vraiment efficacement. Je vais me faire rouler dessus à l'infini si j'y vais comme ça. C'est ça, t'as compris, Curie. C'est ça l'esprit. Et heureusement que c'est gratuit et sans Pokémon parce que. Ouais, bah oui, je sais, on va faire comme ça. On va faire comme ça et on va couper le son. Power level! Ouais, Grippin apprend Griffe Acier, génial! Bah, il est plus cher selon combien t'as à soigner. En plus, je peux même pas courir encore pour l'instant. Heureusement qu'il y a le fast forward. On va tenter un truc aussi. Voilà, parce que Ralamoule, à mon avis, il peut rester, il peut servir. Ouais, bah oui. Parce que le pixing, on est obligé d'y passer, tu vois, mais au moins, voilà, on peut accélérer ça un petit peu. Mais vas-y, mais tue seulement! Nanana. Ce qui serait bien, c'est qu'il apprenne vive attaque. Vas-y, Ralamoule! Il
On va sauvegarder quand même. Qu'est-ce que tu fais chez ma maman? Ah oui, c'est vrai, il est pas au courant, le petit. Oula. Il a failli avoir une erreur du joueur français. Comme si on m'avait dit cette phrase il y a 2 semaines. Oh Zef. Oh you. C'est triste un peu quand même. Allez. Soundo. Allez. On est parti. Salut, graine de champion! Je suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés! Laisse-moi te mener à la victoire! Ok, c'est parti! Premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui de gauche dans la liste Pokémon! En changeant des Pokémon, tu peux changer de stratégie! Essaye différents ordres pour adapter à ton adversaire! Une minute! Tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre! Tu vas devoir m'affronter avant! Ouais, parce qu'en fait je cherche les voix des persos, si tu veux. La chanson du malaise de Rondoudou, ça me dit rien. Vas-y, Grippin! C'est tout? Vas-y, Grippin! Oh là là. Ouais, il a une bonne attaque spé, mais il a pas beaucoup d'attaque, quoi. Ah, voilà! The heck? J'ai un doute. Type seul. C'est bon. Sabuletto. Voilà! Il aime bien séisme. Bon! Ouais, on va tellement se faire ouvrir le fion. Oh là là. Oh là là là. Ah oui, c'est vrai. Attends, t'es sérieux? Il y avait pas encore la classification? Ah mais oui, c'est vrai! Elle s'est faite en... Oh putain! Ah oui!
Du coup, si t'attaques en acier, t'attaques forcément au physique. Ah ouais, j'avais oublié. Donc vol, ça tape sur le spécial ou sur le physique? Oh là 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 là, la cartouche. Ouais, bah c'est juste dommage que les Pokémon de la 4G soient nuls à chier. Hein. C'est vrai, le spécial physique, c'est... c'était une bonne idée, ça. Putain, tu vois, c'est parce que moi, j'ai sauté la 4G que je me souviens pas de ce... Je savais plus que c'est... ça venait de là. Voilà, Grippin niveau 15. Allez, faites-lui sa bouche. Push it to the limits. Attends, oh, je sais ce que je vais faire. À faire ça. Ça, c'est les... On s'en fout de la pub. Oh putain, je suis tombé sur la pub la plus longue du monde. Ah non, c'est bon. Voilà. Voilà. Vite, salaud. Mange. Oui. Push it to the limits. On va remettre le son. Quoi? Grippin évolue? Votre Grippin évolue en Reptincelle. Ah ça y est, ça classe les générations. Oh là 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 là. Il évolue en Toaster. Bon. J'ai peur qu'il va t'obéir, Satoshi Chua. Mais oui, bien sûr. Évidemment qu'il va m'obéir. Bon allez. La 5G, c'est vrai qu'elle était stylée quand même. La 5G, moi, c'est grâce à elle que je me suis remis dans Pokémon. Hein. Je t'avoue, la 4G m'a fait carrément abandonner le truc. La 5G, je me souviens, on était chaud avec, avec Michelone dessus. Hein. Dragon feu, mon premier trigger. Ouais bah oui, on était là, on faisait les échanges et tout, on essayait de se voir pour faire les trucs. On a vraiment retrouvé le plaisir de la première gen quoi. Welcome to the
Il a failli avoir une mort. Bah, la dernière, moi j'ai bien apprécié parce qu'il y a beaucoup de trucs de gameplay qui sont vachement cool, mais après, ouais, je comprends les reproches qu'on peut lui faire. Mais tu m'emmerdes! Le CIC, partenaire. Ta gueule. Ah, je sais, on va mettre ça. Que puis-je faire pour vous, seigneur? Non, je veux passer la bande-annonce. C'est ça, c'est mon partenaire minceur. Vite! Ça vite! Allez! See your body into the moonlight. Try to cancel all the features into the mind. Flashing in my eyes. Don't you see them? Ah ouais, ok, on va mettre celle-là après, Twinkle. Déjà vu! I just been in this place before, higher on the street. Calling you, the mystery staying on my feet. Tiens coup, Roukoul! Tiens coup, Cordata! Christina Cordata! Oui, c'est vrai, Fallen. C'est vrai, de toute façon, on va bientôt finir parce que là après, ce sera trop overkill. Même si on sait très bien que j'ai quand même des chances de me faire ouvrir, hein. Ce serait me sous-estimer que de dire que je ne peux pas perdre. Right into your mind. Déjà vu. L'esprit shonen. Clairement. Koseka! Allez! Et on va en mettre une dernière pour Twinkle. Alors. Allez. Non, pas la pub! On avait dit pas les pubs. Merci. La force de mes Nakama! Ensemble, nous pouvons tout faire! Ensemble, nous sommes plus forts! Face à l'adversité, nous vaincrons! Et meurs! Oh putain, Cordata, tiens coup. Bon, ça va, la petite est bien rentrée, tout va bien. I
need a hero. Cordata, c'est pas le, l'assistant pour rechercher les trucs sur PC? Ah! Allez, on va jusqu'à la fin de cette chanson et puis après on s'arrête là. Parce que là on a beaucoup trop farmé là. On se fait chier là! Faut qu'on aille casser des culs! Qu'on aille se faire casser le cul. Mais c'est affectueux quand je dis la petite. Oh, le prend pas mal. Voyons. Mais voyons. Et tout est bon dans le melon. Chini! Denko Seka! Denko Seka! Oui, je connais les noms des attaques en japonais. Qu'est-ce que tu as à faire? Je suis trop shonen pour toi. Zbri! Normalement, il évolue niveau 22. Jean-Michel Ralamoule. Allez, j'y crois. Allez. Allez, désolé, je coupe. Mais là, c'est le moment de vérité. Bon. On est d'accord qu'on met ça à la mèche en premier, hein. De toute façon, là, notre arme secrète, c'est un salamèche craqué. Enfin, pardon, grippin. Faut que je m'habitue au blaze. Allez. On est au pinacle, au climax de cet épisode. Au climax de cette première soirée, et qui sera le dernier événement de cette soirée d'ailleurs. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta. Est-ce que tu veux des boules de popcorn? Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche. Je veux toujours te battre. Tu veux toujours te battre avec moi? Même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde! Un combat est lancé par Champion Pierre. Vas-y, Grippin! Tu es plus rapide et plus fort. Super. Allez. Yes. Allez. Premier down. Allez, vas-y, Onyx. Vas-y, Grippin! Oh! Y'a moyen. Est-ce que je me soigne ou est-ce que j'y vais? Ah!
Ah, j'hésite, je sais pas quoi faire. Parce que là, techniquement, il m'a pas enlevé... Il m'a pas enlevé tant que ça, hein. Vas-y! Grip Punch-chan! Ok. C'est vrai qu'il a étreinte aussi, ce sac à merde. Ah bah oui, bah c'est ça, le crit, c'est toujours ce dont j'ai peur, donc... Vas-y, Grip Punch-chan! Bim! Ouais! Yes! On a gagné! Fuck la brigade temporelle, on a gagné! J'avoue, l'IA, elle était conne as fuck. Moi, à sa place, j'aurais spammé ton broche comme un sac à merde. Beau combat. J'étais trop sûr de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. Voilà. Retenez cette phrase, hein. C'est important ce qu'il dit Pierre. En reconnaissant sa victoire, voici le badge de Roche. Et des boules de popcorn. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Attends, prends ça avec toi. Une CT, capsule technique, contient une attaque à enseigner un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois, alors choisis bien le Pokémon à qui la donner. La CT 39 contient ton broche. Avec cette capacité, ton Pokémon lancera des rochers sur son ennemi pour baisser sa vitesse. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, les CT pouvaient être utilisés qu'une fois. Ah là 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 là. Ouf. C'est vrai qu'il a tous ses frères et sœurs. Soyez sympa avec Jackie. Ah là. Maintenant, on peut y aller. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un caméo. Oh, Pokédicap! Content de te voir, je suis l'assistant du prof Shen. On m'a demandé de te donner ça, alors voilà. Oui! Putain, oui! Enfin, on va pouvoir courir. On va finir sur la capture de la route 3. Ouais, une paire de chaussures de sport! Mon petit chou! Oh, oh! Bon courage, ta maman! Mais d'abord, les dresseurs! Tu veux ma photo? Coucou! Fillette Perrine! D'Artagnan! Vas-y, à la moule! Ouais, il y a 3 millions de dresseurs avant, c'est vrai. J'avais zappé. Et Miss Jirachi veut se battre. Dinkoseka! Putain, mais... La précision dans le jeu. T'as de ma gueule.
Ah. Putain, mais... Oh là 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 là, stratagème de sable. Jet de sable tornade, un typical roucoule. Bon. Il est temps de mettre un point final à cette histoire, virgule. Je vais aller voir, ouais, je vais peut-être en racheter. Grippin monte au niveau 17. Vous avez battu Fillette Périne. Tiens, c'est ma photo! Trop cool! Non, j'ai pas acheté les 100, je vais aller faire ça, Fallen. Soignons-nous. Il nous faut un crit. Le starter est trop OP. T'inquiète, il va mourir de Tarja à un moment ou un autre. Des Pokémon. Allez. Viens, viens, attends. Excepté Cécile. C'est un truc garanti. La surprise du chef. C'est quoi encore vos strats malgaches pour me faire acheter des trucs qui servent à rien là? On s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Encore vous? Un combat est lancé par Scout Piotr. Putain, Piotr. C'est pas un nom, ça. Piotr. C'est pas comme le fifre. Putain, le fifre, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Salut Vincent. Comment vas-tu? C'était bien Fort Meat. Ah oui, ouais. Comment ça, 800 milliards? Il est pas moins cher que ça? D'Artagnan monte au niveau 9. Ah oui, Pokédicap c'est mieux. Si tu sub Twitch Prime, il est gratos. Ah bah oui, à Bourg-Palette, évidemment. Vas-y, Cordata! Faites-lui la bouche! C'est vrai qu'à l'époque, tous les trucs étaient encore écrits tout en majuscules. J'avais zappé. Ouh, coquine! Putain, mais range tes insectes de tes morts là! On ne veut pas savoir, Twinkle. Wait, wait, wait. Ah non, mais des chenipans niveau 10, genre... Le mec il s'est dit clairement, putain, un chenipan niveau 10 quoi. Genre chenipan il est plus fort que enfin que ses évolutions quoi.
Ah mais ça j'en doute pas, ouais. D'Artagnan, go! Attaque d'Arvenin! Je suis pas sûr que ça existe, un Twinkle. Faut l'inventer. Parfait. Ma stratégie est en place. Vas-y, à la moule! Meurs. Mais il est fort celui-là. Boah, ça fait des vieilles strates là. Vas-y, meurs de poison. Tiens, il en a encore un, c'est pas vrai. Oh, un terrible abo! Ah, c'est vrai qu'il y a intimidation, ouais. Oh, nice! Oh mon dieu, gros yeux! Qu'est-ce que je vais faire? S'il nous sort un abo de nulle part, comme ça. Toin, 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 toin. Tu m'as taillé un short! Vite, allons nous soigner. Il s'appelle vraiment Ekans en anglais ? Putain, mais vous êtes... Vous êtes affreux. Oh là là là. Des fois j'ai envie de vous faire du mal, hein. T'es un dresseur, à l'attaque. Ah, il s'appelle vraiment Ekans, putain. Mais... Mais taisez-vous. Non mais surtout là c'est Zef qui fait vous saviez que les Pokémon machin ça rapportait plus XP. Et vous saviez que les vaches ça pond des œufs. Ouais ça mue que je savais par contre. Non Vincent, non. Ne fais pas cette blague. Il y a un C dans le logo de Carrefour. Putain, l'ancienne. Ah, voilà, j'y attaque. Vas-y! Vas-y, grippin! Ah voilà, un vrai truc. Comment ça, c'est pas de ton âge? Qu'est-ce que tu racontes, Shiro? Ça c'est typical, il va mourir avant qu'on atteigne le centre Pokémon.
un vrai truc. Oui, enfin, voilà. C'est juste qu'au moins, lui, il l'a fait un petit peu évoluer. Ce qui serait bien, mais après, c'est vrai que, bon, ce serait un peu plus difficile, les jeux, mais... Qu'il y ait une cohérence, c'est genre que les Pokémon, ils, quand ils ont un niveau... genre un chenipan de niveau 10, même les dresseurs, ils puissent pas en avoir un, tu vois. Genre, ils ont un Papillusion, quoi. Et en plus, ça rapporterait plus d'XP. Bon, est-ce que tu vas évoluer, D'Artagnan Ah non, si, Twinkle, elle est là, je t'inquiète. Hein. Fillette Sally! Ah, c'est vrai, Shiro, il est vieux. Twinkle! Please, tap! Putain, il m'emmerde celui-là, là! Meurs, sale rat de pacotille! On a un terrible rugissement! Oh là là! Oh putain, un point poison! Mais nique ta daronne. Ouais, j'avoue, ouais, le jour où Curie aura son bac, ça va faire bizarre. Il y a Michael Owen aussi qui est daron. Puis daron. Et non, c'est pas plus bizarre qui a gagné Stropole. Désolé. Mais il n'y a pas eu 49-3, arrêtez. J'ai rien fait ce coup-ci. La VOD peut témoigner. La VOD est là pour témoigner. ouais, c'est vrai, je suis un peu triste, Zef, je t'avoue. Ah, il y a des chances, Shiro. Je crois que c'est toi qui as refait pencher la balance, d'ailleurs. Allez, on va aller pouvoir capturer le Pokémon. Non, mais on fait des références de personnes trop vieilles, c'est pour ça. Curie, c'est l'exception, tu vois, mais... Vas-y, Cordala! Cordata, enfin... Ah, Cordula. J'avoue, c'est un peu le seum, quand même. Oh là là! J'ai de terribles nouveaux Pokémon, notamment ce chenipan! Ouais, on va pas se faire emmerder par un putain de crisacier. C'est magnifique. Oh là là là, armure. Qu'est-ce qui est pire? Honnêtement, qu'est-ce qui est pire? Jet de sable ou armure? En vrai. Allez. C'est le moment.
Bon. Ouais, il veut me sortir un Pokémon un jour ou pas? Bon. On a déjà, malheureusement. Donc ce ne sera pas lui. Bah oui, ça skip les doublons, on l'avait dit. Quoi ? D'Artagnan évolue ! Et voilà ! Ça y est ! On l'a ton D'Artagnan, Shiro. Ah oui, non, mais c'était avant. Mais c'était pareil, hein, sur la première saison de Pokédicap, on skip les doublons. Appuie sur B. On n'est pas en mode démocratie. Ça fait un effet sympa. Oh oui ! Oui ! Yes ! Allez, allez, allez. Pokéball ! Go ! Get Tonazé ! Je savais ce que je faisais. J'ai pas peur. Mais non, j'allais pas le buter avec le poison. De toute façon, je l'aurais capturé avant. Le poison, ça m'aurait permis de le capturer encore plus facilement, vu qu'il a déjà un taux de capture assez élevé. Bon, Ferocinge, et ce sera la fin de cette soirée. Alors, je vais mettre un timer à 3 minutes, donc vous avez 3 minutes pour rentrer dans le raffle, allez-y. Et données de Ferocinge sont ajoutées au Pokédex. C'était une légende, Vincent. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait le truc avec avec Baebe. Ce Pokémon est léger, très agile sur ses pieds, mais surtout doté d'un tempérament hargneux. Quand il s'énerve, plus rien ne peut le calmer. Allez. C'est un terrible Ferocinge. Donc alors j'ai dans le raffle, j'ai Michaelone, Fallen, Twinkle et Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent renommer le Pokémon? Si oui, vous tapez point d'exclamation raffle dans le chat afin de renommer, sachant que Curry, Wolf et Zephyr ont déjà renommé. J'avoue hein. Écoutez Zeph hein. Et Shiro aussi, mais t'es pas dans le raffle, donc... Tac, du coup, je vais changer. Hop. Ferocinge. Ferocinge. Il est là. Hop. Donc il vous reste encore une minute pour renommer. Un homme sage qui se bat avec des poings. J'avoue, ce sera encore mieux pour Tignon, en vrai. Ferocinge, c'est des rageux. C'est vrai, Ferocinge, c'est pas...
C'est pas un digne héritier de la maison Joseph. La maison Joseph, tu vois, c'est des gitans. Des vrais gitans, tu vois, ils sont... Comme ça, ils sont durs dans leur cœur et tout. Ils combattent l'adversité, ils sont toujours calmes, posés, tu vois. Le seul Joseph qui dérogeait à la règle, c'est le Joseph qu'on a quasiment renié. Le Joseph du FF13, rappelez-vous. Bah, y a un gros pif, quoi, c'est... Voilà. Il vous reste 12 secondes. Hop, je vais enregistrer voilà ça. Voilà, le raffle est clos. On va piquer un winner. Joseph original, Tiff. Rédemption Joseph, il est bien aussi. Et le gagnant est Vincent. Vincent, tu nous as déjà fait le coup une fois. Cette fois-ci, s'il te plaît, fais pas de la merde. Il va encore l'appeler Vincent. Ah oui, c'est vrai, Winston, ça aurait été cool. Alors, tu as le droit aussi à des symboles. Tu as 10 caractères, Vincent. L'escroquerie avait un nom. Le mec, il arrive, il chope le raffle, quoi. Mais à chaque fois, il fait ça, hein. À chaque fois, il arrive, il prend le prochain raffle et puis hop, il gagne. C'est dingue, hein. Il a un pouvoir latent. Point, 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 point. Putain. Ouais, non, mais c'est ça. L'autre fois, il est venu, il a renommé, il est plus jamais revenu sur le stream. Si, il est venu pour sub l'autre fois, je suis mauvaise langue. Putain. Est-ce que ça te convient, Vincent? T'es sûr, hein? T'es sûr? Putain. C'est parfait, ça lui va bien. Bon, bah... Rayquaza, non. On va essayer. Ça n'a pas de sens. Sinon, je viens de faire un balayage en personne. Ok. Allez. On va aller au centre Pokéfion. Après, j'avoue, Ferro-Singe, c'est un bon ajout dans l'équipe. On a déjà eu des arcos dans le corps de Gobu. C'est vrai, on n'est pas assez prêt. Mais quel bâtard! Quel bâtard! Ça y est, t'as fait ton œuvre. Et putain, et Damien, il est même pas venu, quoi. J'hallucine. Ah, ça, pour jouer à Fortnite, il y a du monde, hein. Par contre, pour regarder les copains jouer à des jeux de merde et renommer des Pokéfions... Ah, toi, t'es un vrai, Vincent. On peut compter sur toi. Toi. Ah, d'accord. Ah, dans 6 mois, Vincent.
Oh là là, le sel est présent, hein, je tiens à signaler. Hein. Voilà, je vais exporter la save pour pouvoir potentiellement le rouvrir avec un autre émulateur pour tester pour la prochaine fois parce que... Mais là, bon, on n'a pas eu de problème là jusqu'ici, donc logiquement, ça devrait bien se passer. Ah, sage Vincent, par contre, que tu n'as le droit qu'à un seul rename jusqu'à ce que tout le monde ait rename au moins une fois. Allez, à la prochaine, Vincent, des bisous. Passe une très bonne nuit. Lui dis pas ça, il reviendra pas. Quoi ? Non, mais tu reviens quand même, même si t'as pas de Pokémon à renommer. Mais quel sac à merde. Kiss. Je devrais même pas t'autoriser à faire des renames. Je devrais même pas t'autoriser. Non, on va garder ça pour la prochaine fois, Fallen. Pour la semaine prochaine. Je sais pas encore quel jour ce sera. Parce que j'ai toujours pas signé mon contrat et que je ne connais toujours pas mes horaires. J'espère recevoir mon contrat demain. Comme ça, je verrai mes horaires. Et je vous dis ça la semaine prochaine. Donc peut-être mercredi comme cette semaine. Sinon, un autre jour. Voilà, voilà. Bon. J'espère que cette première session de la... Pas jeudi, arrête. Ok. Et mardi apparaît. Ah, bon, bah c'est bien. C'est bien. Ok. J'espère que cette première session de la saison 3 de Pokédica vous aura plu. Je vous fais à tous des bisous. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et certainement un autre soir cette semaine pour un stream, mais pas sur Pokémon, sur autre chose. Voilà. un seul mort sur une capture. Ouais, c'est vrai pour l'instant. Mais là, tu vois, c'est le début. Faut le temps que ça se fasse, tu vois. Allez, je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. He is back in a new adventure to catch, to fight, and to die. Mais wesh! Mais putain! Mais vas-y! Mais va te faire enculer, putain! Muteki! Muteki! Je voulais prendre Goku depuis le début, voilà. Ça y est, allez, salut! C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'un Pokémon décède au combat, on est obligé de le relâcher. Et donc, il meurt définitivement. Ah, oh, vous me cassez les couilles. Vous m'avez cassé les couilles tout le long. À chaque fois, à critiquer le moindre truc que je fais. Oh, putain. De toute façon, vous êtes jamais content. Quoi que je fasse, vous êtes jamais content. Pokédicap, Season 3.